Le 56 s'appelle donc Falbala Dac ou Dac, comme les initiales du nom de Monsieur Alan James et de Madame Corinne Senna, les éleveurs de cette pouliche née le 13 avril et qui propose 26,92% de sang arabe. Une fille de Fairplay du Pécos, multiple vainqueur de Grand Prix, Fairplay du Pécos, c'est à Londres les premiers produits en 4 ans. Et Valladolid, la mère, est une fille de Valladour. Et Valsdompoise, c'est-à-dire que Valladolid, la mère, elle-même gagnante en Corse, et sœur de deux champions, Varan des Savanes et Vision d'Avenir. On peut revenir ? Oui, la mère est par Valladour. Valladour a fait la monte un instant dans la région paloise, et je me demande même s'il n'a pas fait la monte en Corse pendant un moment. Valladour, cheval étonnant qui a débuté sa carrière des talons. Moira de la Rebourcière de Montaigu, une vedette, le cheval à Gacan, entraîné par l'Androuillet du Pré, Valladour, vainqueur du Grand Prix de Paris, je dis mémoire, ce fils de Lomond, ce frère de Véréva, gagnant du Prix d'Aide, qui a été un des talons finalement extrêmement décevant, bien que père de Voix du Nord, qui lui a été un étalon formidable et qui continue de l'être bien qu'il soit mort. Valladour, donc, étalon lui-même décevant, a été pour autant la grand-père de père, sera-t-il un père de mère, on le saura peut-être avec les performances futures de cette Falbala Dac. La nièce de Varan des Savanes, évidemment d'avenir, a donc un potentiel génétique féminin, matin, en tout cas, pour réussir en course.